Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais déjà j'ai acheté deux plateaux chez Action. Donc l'argenté hein, que je vous avais déjà présenté, donc sur deux niveaux hein, avec des plateaux miroirs, et le doré. Alors le doré, il date d'au moins 2 ans. Donc je l'avais acheté en blanc, un blanc un peu patiné, et je l'ai bombé en doré parce que ça suivait un peu avec ma déco. D'il y a 2 ans, donc je pense que je vais pas tarder à le bomber, peut-être en blanc ou en argenté, mais pour l'instant donc il reste comme ça. Et je voulais vous présenter plusieurs idées déco à mettre sur ce genre de plateau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Alors on va commencer par la première idée. Alors vous pouvez utiliser ce genre de plateau pour en faire un petit plateau, hein, pour poser votre théière, vos petits verres de thé ou alors votre café, tout simplement, votre tisane, infusion, juste à côté du canapé, ou pourquoi pas les utiliser en tant que petite table basse. Alors là, je l'ai mis à côté de ma commode, enfin ma commode, mon buffet, pardon. Et j'y ai disposé un petit vase soliflore. J'ai mis une petite bougie dorée. J'ai également mis mon brûleur d'encens avec mon diffuseur de parfum. Bah, j'ai gardé un petit peu dans ces tons-là, ces tons dorés, ces tons plutôt de couleur chaude. Je trouve que ça va très bien avec. Donc on ne voit pas très bien à la caméra, mais voilà, avec le plateau miroir, je trouve que ça vraiment ça donne quelque chose d'encore plus lumineux. Alors là, je suis partie sur quelque chose de plus sobre, plus clair, du blanc. Alors j'ai mis un vase avec des roses artificielles de couleur blanche. J'ai mis un petit vase sur pied avec des perles, une guirlande de perles qui pend, et un soliflore. Alors là, j'ai mis un petit diffuseur de parfum. Si vous vous rappelez bien, c'est un diffuseur de parfum que j'ai détourné. En fait, c'est un vase de chez Action qui est encore en vente en chez Action. Je crois qu'il est autour de 86 centimes ou 89 centimes. Donc, avec un vase des fleurs de couleur blanche, hein, des roses de couleur blanche de chez Action. Et j'avais mis également ce photophore où j'ai mis une bougie et des guirlandes lumineuses.
Voilà les filles, ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mes idées vous ont donné quelques petites idées à vous après de les détourner en fonction de votre décoration, de ce que vous avez à la maison. N'hésitez pas aussi à détourner les objets pour éviter d'en racheter. Voyez, s'il y a des choses que vous n'aimez plus, n'hésitez pas à les customiser. N'hésitez pas également à changer de couleur, les bomber en doré, argenté, blanc. Enfin, il y a pas mal de choses qui se vendent chez Action pour pouvoir customiser des vieilles petites choses qu'on a dans le placard et dont on n'utilise plus. Voilà, voilà, j'espère que j'étais assez précise dans ma description. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas également, je vous le redis à chaque fois, à me suivre sur mon compte Instagram. Donc, toutes ces photos, enfin, il y a pas mal de petites choses au niveau déco que je partage beaucoup sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre dessus. Et puis, on se retrouve aussi sur ma chaîne Toria Lifestyle pour des vidéos, des magasins que j'adore. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.